Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios La 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dadi, la radio Puissance Max. On l'a vu pour notre dimanche, une arrivée de KT vraiment très 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 difficile à trouver concernant les trois premiers. Ceux qui ont quelque chose, ben félicitations à vous. Mais personnellement, ben voilà, il faut savoir reconnaître des fois que le pronostic fait plouf, ouais, et puis les trois premiers n'étaient pas faciles du tout à trouver, hein, le 9, le 12, le 16. Voilà, fallait sortir mon beau miroir, Madame Soleil, comme je l'avais dit, hein, je m'étais pas trop trompé de ce côté-là. Mais voilà, c'est comme ça. Notre lundi 4 avril, notre KT aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Et là, je peux vous dire que les conditions de course, c'est réunion 1, course 1, 16 partants. 3000 mètres, et là ça va être encore un KT vraiment très 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 difficile à trouver. Début avril, pas facile pour les pronostiqueurs hippiques, ça je peux vous l'assurer, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec les courses hippiques. J'ai payé à surplacer en tête de ma sélection le 2 Belgium Prince, qui sera mon cheval du jour pour ce KT, c'est un bon point d'appui. Ah bon, le coup. Je lui oppose le 14 Pot Quetz. Vient de prendre une belle quatrième place pour sa rentrée. Pourquoi pas le 11 Mac La Tambouille sera ma troisième base pour ce KT. Je l'ai peut-être passé assez haut. Mais voilà, c'est tellement un KT très difficile à trouver que pourquoi pas. Le 8, lui aussi, Palpitator sera mon très gros coup de cœur pour ce KT. Aussi un cheval que j'ai peut-être passé assez haut dans ma sélection. Mais pourquoi pas, je vous dis demain, il va falloir marcher sur la pointe des pieds et sur des œufs. Donc, restez prudents encore une fois, mes amis. Mes quatre timides bases, le 2, le 14, le 11 et le 8. Le 6, Dojo a le droit de venir prendre une place. Le 7, Moonwalk Steep pour une place aussi. Le 4, Barbadin, mon coup de folie pour ce KT. Et je termine ma sélection par un cheval. Franchement, là, c'est vraiment un très, très gros coup de poker parce que vous n'allez pas le voir du tout dans une sélection. C'est le 13 Escapade Nocturne. En cas de non partant, le 10. Mon cheval du jour, le 2. Mais de base, le 2 et le 14. Mon coup de cœur, le 8. Mon coup de folie, le 4. Et mon coup de poker, le 13. Mais 2 sur 4. Le 2, le 14 et le 11. Mes couplets gagnants placés, le 2, le 14, le 11 et le 8. Je répète ma sélection, le 2, le 14, le 8, le 2, le 14, le 11, le 8, le 6, le 7, le 4 et le 13. Voilà, retrouvez bien sûr mon pronostic sur la radio la16.fr, sur la radio rdc.fr. Encore une fois, soyez très très prudents, début avril n'est pas évident concernant les KT. Encore un KT qui va être pas facile du tout à trouver. Donc prudence dans vos jeux, mes amis. Je vous dis sur ce, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon, les courses.